solo ha ganado una batalla, no ha ganado la guerra. Y ahora yo tengo la mejor carta. Controla. Te quiero. Posant comme le caca allemand, jeune finesseur tout le temps. Je bats ma gueule chez des fois c'est fatigant. Tu consommes cette merde comme des calmants. Tu viens à Montréal pour consommer cette merde légalement. Élégant mais ignorant, Hermès sur le cardigan. Le drip toujours aquatique, non j'ai pas du Michigan. Je fume toujours l'exotique, dans mon joint sale puis afghan. J'ai le faire même sans gérant, deux pas de recul pour faire un pas de géant. Chaque défait que tu prends doit servir de leçon. Fais pas le con, reste focus, fais tes trucs à ta façon. Fais l'oseille des francs-maçons, la finesse le chef, vraie affiliation. Pull up en France tel un missionnaire en mission. Je suis plus connu que les patinettes de vos émissions. Bientôt je pull up en double R, zéro émission. J'espère quand je rappe, tu ressens de l'appréciation. Jeune visionnaire, toujours tout mis dans mes créations. T'inquiète, la finesse du chef. La finesse du chef. J'ai une droite pour tous ces gauchistes. Les gars bougent comme des polices. La partout se fait office. Le trap saute comme un autiste. Bigraves sont quatre roues motrices. Des cachous comme des novices. Des cartouches à l'improviste. Le stress j'esquive, je suis à contre-courant. J'essaie de vivre mais le sol est mourant. J'ai le vertige, je suis foncé tout le temps. Une aile vision devant moi, c'est tout blanc. Tout est noir comme le Soudan, c'est profond et troublant. La plage horaire est pleine, les sables sont mouvants. Dans l'œil de la tornade, je passe en coup de vent. Je mâche pas mes mots, je trouve ça trop dégoûtant. Ouais, ma petite gueule, c'est quoi qu'ils me veulent? C'est un viateur, je frappe un big gueule. Je suis underground, mais j'ai le juice, pas de Beatle. Montréal, c'est le Far West, pas de Fifel. Depuis que j'ai marié cette vie, je me sens si seul. Chaque défait que tu prends doit servir de leçon. Fais pas le con, reste focus, fais tes trucs à ta façon. Fais l'oseille des francs-maçons, la finesse, le chef, vraie affiliation. Pull up en France, tel un missionnaire en mission. Chaque défait que tu prends doit servir de leçon. Fais pas le con, reste focus, fais tes trucs à ta façon. Fais l'oseille des francs-maçons, la finesse, le chef, vraie affiliation. Pull up en France, tel un missionnaire en mission. En mission, en mission, en mission, en mission. Je vais lâcher prise, mais plus rien ne me branche. J'ai trop suivi la brise sur un navire étanche. Les journées sont grises et les nuits sont blanches. Les médecins me disent, j'ai besoin de vacances. Je traîne avec le poids du monde sur le dos. Moi qui ai toujours été là pour les autres. Moi qui ai toujours été là pour les autres. Avant d'arriver au bout du rouleau, je sais ce qu'il me faut. J'ai besoin de moi. D'être là pour moi cette fois. Si je suis pas là pour moi, qui le sera? Je veux lâcher prise, mais plus rien ne me branche. À contre-courant, je peux plus go with the flow. Je retourne aux racines, même si je me plante. Entre larmes, les corps, c'est le boulot. Perché sur la cime, je paie sur la planche. Je dormirai le jour du dernier repos. Les couteaux s'aiguisent pour que je me retranche. C'est jamais assez mais j'en fais toujours trop. C'est jamais assez mais j'en fais toujours trop. Moi qui ai toujours été là pour les autres. Wow. Arrivé au bout du rouleau. Je sais ce qu'il me faut. J'ai besoin de moi. J'ai besoin d'être là pour moi cette fois.
Si je suis pas là pour moi, qui le sera? On va aller dans l'album. Alright guys, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est quoi, le 22 mai. Je suis satisfait de la soirée qu'il y a eu hier soir. On est allé au 180 grammes, au 180G. On est allé faire le listening session pour l'album Nimrod de Obia le Chef. Donc, quand même une grosse soirée. T'sais, je m'attendais pas à ce que il y ait autant de gens que je connaisse qui soient là. Et que le fait qu'on ait tous cette affaire-là en commun, qu'on connaisse tous cet artiste-là, qu'on ait tous du fun à écouter sa musique. Tu sais, ça, c'est pas le genre d'album qu'il drop. C'est pas des albums que tu vas écouter une fois puis faire comme ah, ok, ils sont prêts. Il y a tellement. Pendant le premier listening session. Ben, c'était un seul listening session qu'il y a eu de l'album, on a joué. Mais on avait quoi? Il y avait tellement de double entendre dans ses beats que entre deux verses, il essayait aussi de faire un breakdown sur ses bars. Puis genre, très peu de monde était capable de comprendre. Même moi, il y a comme plein d'expressions ou plein de double entendre qui disaient que j'ai pas été capable de décoder genre... dès que je l'avais entendu. Tu sais, les double entendre, j'ai de la facilité à les apprendre, mais tu sais, on n'est pas non plus moi puis lui, on n'est pas non plus de la même époque, genre. Donc lui, il est un peu plus vieux que moi. Moi, je suis dans ma trentaine, lui dans sa quarantaine. Donc il y a certaines expressions ou certains moments que lui il a vécu que tu sais, moi j'étais pas nécessairement aware de certaines choses. Donc j'étais pas capable de faire les références à ça. Donc le monde de son âge pouvait comprendre les double entendre, mais les autres ne pouvaient pas. Donc il essayait de faire un breakdown puis dire qu'est-ce qui se passait, puis après ça il disait comme oh, vous comprenez pas, ah c'est chill. Puis il faisait juste continuer à spit. Il faisait beaucoup d'adlibs, mais on a quand même une performance live de Roger. Ils ont fait Oser des francs-maçons ensemble. Sabrina Sabotage est venue faire Pure Laine avec Obia. Donc on avait ces deux artistes là qui étaient présents pendant la soirée, et je pense qu'ils ont fait il y avait d'autres personnes qui étaient dans la liste des featuring. Donc on avait Wanted, on avait Fléau DiCaprio, on avait Bob Marley, on avait Billy. Donc ces quatre là que je viens de nommer, ces quatre là étaient pas là pour la soirée, mais on avait quand même Sabrina Sabotage qui comme non seulement elle est chanteuse, il me semble qu'elle produce de la musique aussi. Puis je pense qu'elle a aussi drop un album en 2018 qui s'appelle Sabrina Sabotage. Donc je pense que c'est son debut album. Je pense que c'est avec Saint Laurent Records. Je sais pas si elle a été released puis qu'elle est complètement indépendante présentement. J'ai pas pris le temps de lui poser la question pendant qu'elle était là, mais très 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 sympathique, très nice comme personne aussi. Donc, j'ai seulement pu écouter l'album une seule fois avec tout le monde en même temps, donc je peux pas, j'ai pas, tu sais, le vibe de le song sequence de l'album, très bon. Chaque chanson entre elles ont leur moment catchy, puis c'est ça qui fait en sorte que tu continues d'écouter l'album tout au long. Et que tu fais juste
écouter l'album genre chanson par chanson, mais c'est pas, c'est toutes des chansons qui sont toutes séparées là. Selon moi, quand je suis en train d'écouter là, c'est 12, c'est genre 14 chansons, mais 14 chansons qui ont pas nécessairement une certaine corrélation entre entre elles. Moi, ce que j'aime dans les albums, c'est lorsqu'il y a une histoire puis que ça se suit là. Mais peut-être qu'il va falloir que je réécoute l'album pour savoir pour savoir si je me dis en erreur ou pas. Mais si je me trompe pas, c'est vraiment comme 14 chansons qui ont chacune leur leur propre identité qui fait en sorte que le projet est quand même dope là. Le fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir voir être là pour ce projet là, c'était nice. J'ai bien aimé l'expérience, parce que tu sais, c'est des petits moments qui sont un peu c'est des petits happenings, des petits moments qui sont nice genre. C'est pour le listening party là, on a du merch qu'ils étaient en train de vendre, donc je pense que c'était en quantité limitée qu'il y en avait. Il y en avait vraiment pas beaucoup. J'ai eu le temps de m'acheter un chandail qui a été signé là. Donc là, j'ai pris celui du single franc-maçon. Donc ici on a ici l'autographe de Roger, puis on a ici l'autographe de Obia. Pour de vrai, ce single là, insane. Comme jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai écouté le beat, man, insane. Je suis saisi, comme jusqu'à aujourd'hui. Je vais le remettre, man. On va le rejouer, man. Bagaille sérieux, man. To be honest, puis c'est ça aussi qui est nice avec les artistes qu'on a à Montréal. Les artistes qu'on a à Montréal sont tellement down to earth. C'est tellement facile juste rentrer en contact avec un artiste ou de communiquer, genre de communiquer avec un artiste. Parce que pendant une grande partie de mon temps que je passais sur Twitch, lorsque j'essayais de trouver de la musique qui, pour pas avoir de copyright strike, j'approchais du monde qui était soit des producers sur YouTube ou quoi que ce soit, puis je leur envoyais soit des emails ou soit des DM, que ce soit sur Twitter ou toute autre plateforme. Puis avec ça, j'étais capable de rentrer en contact avec ces gens-là, mais c'était rare qu'ils allaient te répondre. Ou si j'utilisais leur musique, j'allais recevoir des emails comme quoi, genre, j'avais des copyright strikes, utilise pas notre musique, blablabla. Puis lorsque ça vient à utiliser la musique qu'on a ici, à Montréal, je me suis dit, tant qu'à être de Montréal, je vais essayer de rentrer en contact avec du monde de Montréal. Tu sais, c'est quand même beaucoup de gens. Tu sais, là, en ce moment, la scène, veut pas, elle est tout le temps en effervescence. Il y a tout le temps des nouveaux artistes, ou il y a tout le temps comme un nouveau projet qui s'en vient. Puis le monde, tu sais, ces gens-là, ils cherchent à avoir du exposure. Ils veulent aller faire des choses, puis ils veulent faire ces affaires-là. Donc, j'ai commencé à rentrer en contact avec des artistes de Montréal, les artistes d'ici, pour que je puisse savoir comment fonctionnent les termes et conditions, comment fonctionnent les copyrights pour la musique. Mais ce qui est nice avec une bonne batch des artistes qu'on a ici, ce sont du monde qui ne sont pas nécessairement signés par une maison de disques. C'est du monde qui vont à own 100% de leur musique. Donc eux, ils vont te donner leur feu vert pour utiliser leur musique. Ça fait du free advertisement pour eux. Et en plus de ça, ça fait en sorte que tu vas pas avoir de copyright strike. Donc c'est un win-win situation. Tu joues leur beat, tu supportes leur musique, ça montre qu'ils ont un certain ils vont avoir un revenu avec les streams que tu spams puis tout.
Puis en même temps, toi, de ton bord, ben, t'as pas de gros. T'as pas de danger. T'as pas de danger, à vrai dire. Moi, c'était tout le temps, j'avais peur que ma chaîne se fasse shutdown parce que. Moi, c'était une de mes plus grandes peurs que j'avais là. Que ma chaîne Twitch se shutdown parce que je faisais jouer de la musique de façon illégale, sans la permission des gens. Mais, yeah, donc c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer en contact avec Obia, que j'ai commencé à rentrer en contact avec Roji, que j'ai rentré en contact avec. T'sais, tout plein d'autres artistes comme Shweez. J'ai pas encore été répondu par Tizo, mais j'assume que, t'sais, Canicule, je pense que c'est eux qui possèdent leur musique, donc je devrais quand même regarder, double vérifier. Mais vraiment, c'est vraiment là, j'ai bien aimé le fait que les gars ils soient down to earth, puis qu'ils viennent, puis t'sais, ils répondent, ils te répondent là. Puis je suis allé les voir l'autre jour, puis comme. C'est des gars qui sont hyper chill, hyper down to earth. Donc c'est nice comme expérience. Moi j'ai bien aimé le listening session. J'ai bien aimé le déroulement de la soirée. Tu sais, il n'y avait pas de méga gros. Tu sais, il y avait pas de groupies qui criaient, qui disaient comme ah, il n'y avait pas de monde qui faisait la qui était out of this world, mettons. Comme il y avait des good vibes, c'était du bon monde. Moi, j'ai demandé l'autographe sur mon chandail, c'est sûr, là. C'est sûr que je les ai achalés un peu, là. Mais bon, c'est sûr que là. T'sais, ça, c'est le prochain. Ça, c'est le disque. Ça, c'est le disque que je veux qu'il ait son disque d'or. Parce que ça, là. Oh, insane, là. J'ai même. Yo, j'ai même mis j'ai même mis sur ma chaîne. Je pense que j'ai mis mon Yeah. Je vais regarder ça, guys. Yeah. Yo, grosse photo là. Une belle photo comme ça. On a l'affaire qui est autographiée, man. Roger qui était en. Là, puis là, en ce moment, il est en train de grind pour faire son album aussi, hein. Il est en train de grind pour faire son album. Il est locked in, là. Mais il a quand même pris le temps de faire un petit passé. Pour vrai, c'est ça qui est nice avec les artistes qui s'entendent bien entre eux, là. Mais. On dirait que c'est deux mondes différents, là. C'est deux mondes différents lorsque ça vient à. Comment je pourrais dire, les rappeurs, c'est comme les rappeurs de la rue là, les street rappers qui parlent de fucking gangbang, toutes ces affaires là. Puis t'as comme les gars qui sont lyrical, puis qui ont un certain code d'écoute qui est relevant, puis qui savent aussi comment se market. T'sais, t'as ceux qui savent comment se market, t'as Obia, t'as Roger, puis. Ces gens-là, ils fonctionnent en harmonie. Tandis que lorsque ça vient à des gars qui font vraiment du gangster rap à Montréal, chaque clique sont en rivalité, là. C'est fou, là. Des fois, il y a des goumins qui sont sérieux, là. Comme là, je sais pas encore. J'étais allé voir. J'ai regardé sur la chaîne à Chris Negroski sur TikTok, là. Il fait des recaps des rap beef, là, qui se passent sur. Qui se passe entre les gars de Montréal. C'est quand même insane. C'est quand même quelque chose. On va checker c'est quoi les autres beats qu'on a ici. Hein. Regardez, ça c'est un gros beat. Ça c'est mon beat d'intro que j'ai l'habitude pour à chaque fois que je commence mes streams. Gros beat. High class, ça fait longtemps que j'ai pas vu High class. Hein. Ça fait longtemps qu'il est pas sur Twitch non plus là. Mais. Anyways, donc. Nimrod. Album qui va être bientôt disponible sur toutes les plateformes. On va avoir Yugi, comment ça va? Comment ça va, Yugi? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui viennent d'arriver ici, qui essaient de savoir de quoi on parle en ce moment, on est en train de faire. Je suis en train de faire mon recap sur l'album Nimrod, qu'on a eu une listening session.
pour Obia Le Chef, donc un artiste montréalais qui va avoir un album bientôt qui va sortir. Donc moi, comment je vais bien? Moi, je vais très bien. Donc pour ça, je vais juste aller sur le profil de Obia Le Chef, je vais vous montrer ça de, real quick. Donc on a, je pense qu'il a même là, ouais, je pense qu'il a ici. Cast. Alright. Donc ici on a le tracklist qui va avoir 14 chansons. On a quand même 6 features. Donc 6 features avec 6 features avec avec 8 chansons, 8 performances solo. Donc ça se prend bien, hein? Ça se prend bien. Donc moi j'ai hâte de voir la réception des autres. Lorsque ça vient avec mettons les potentiels radio songs que j'aimerais avoir, mettons que je turn on la radio, j'aimerais ça que Oseille des Francs-Maçons passe sur la radio. Puis même à ça, dans son ancien album, dans son dernier projet qu'il avait fait avec La Mort Attendra. Dans La Mort Attendra, il avait facilement besoin de moi, qui aurait pu être une chanson qui serait passée à la radio. Mais je sais pas comment fonctionne le processus pour que ta musique passe à la radio. Est-ce que tu as besoin d'un radio edit? Je sais même pas comment ça fonctionne pour la radio. Mais si c'est sur des chaînes où est-ce que, sur des fréquences où est-ce que ça, ils ont leur show tard la nuit, ça peut être des bons affaires. FTG aussi, ça peut être une chanson qui passe à la radio aussi. Mais then again, c'est pas, je sais pas comment fonctionne la procédure pour avoir un beat qui s'en va sur là-dessus. Pour vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis Sabrina Sabotage, j'ai su c'était qui hier soir. If you guys don't know who she is, bro, that's a you problem, man. That's a you problem. I don't care. Comme talentueuse, elle fait plusieurs choses là. Elle joue d'instruments, elle chante, elle produce. C'est genre un jack of all trades là. Et je pense qu'elle a déjà release. Elle a déjà release son projet en 2018. Donc son projet qu'elle a release en 2018 qui s'appelle Sabrina Sabotage. J'ai survolé un peu l'album. But it's like c'est des happy vibes. C'est genre des happy songs. So far, tout ce que j'ai entendu. Fait que c'est possible qu'en 2018 sa musique soit passée à la radio. C'est possible. Ça se peut que je me trompe. Mais ça m'étonnerait pas si plus tard on entend son nom dans un line-up à Oshiaga, là, mettons. Bon. Donc, ceci étant dit, avec ce qu'on a ici, yo, le monde comprend pas, man. C'est fou à quel point qu'on a du talent à Montréal. On a du talent à Montréal, mais le monde, they just... On dirait que les gens, ils refusent de regarder, man. Ils refusent de prendre le temps d'écouter, mais tout ce qui est sur... le monde comprend pas encore, man. C'est insane, là. Le monde ne comprend pas. Si on meurt seul, pourquoi vivre à deux? Libre en couple, je sais pas si ça se peut. Ouais. Mm-hmm.
je roule en italique. Ces rappeurs lèchent des vitrines, mais parlent de hit un lick. En diagonale, je lis les signes, ma vie oblique. Le droit chemin, je le vois de loin, mais je conduis trop vite. Deal pas avec ces crabes, drip, mille pockets. La mort m'a dit, attends, j'arrive, alors j'ai mille pockets. Je suis commando la nuit, no sleep. Tunnel vision, on est tout l'humain. Son... son flow fait beaucoup. Je viens de remarquer. Son flow ressemble vraiment beaucoup à. Pas que ça ressemble beaucoup, mais ça me fait penser beaucoup à Snoop Dogg. Le gars, ok. Il n'y a pas besoin de gueuler sur le mic. Il reste toujours calme. Puis il est capable de spit quand c'est le temps de spit. Fait. C'est insane. Puis ce Chien Gras, ça c'est une chanson aussi qui est dans l'album. Donc Chien Gras. Puis même à ça, je comprends pas comment les radio stations ne jouent pas des chansons de rap comme ça à Montréal. J'essaie de comprendre comment ils font, genre. Comme. Même lorsque ça vient à avoir des chansons qui sont à la radio, ben, la face que plus personne vraiment écoute la radio, même. Tout le monde, on commence à avoir leur podcast, mais après ça, le monde, ils ont pas. Ils ont pas vraiment du gros contenu tangible. Genre. Comme lorsque ça vient au. Lorsque ça vient au rap, hein, je pense qu'on a quoi? Genre seulement rap politique, puis tous les autres qui essayent, là, c'est comme. Y'a pas grand chose, hein. You know? Anyways. Mais j'ai. Lorsque ça vient à un projet comme celui-là ici, là. Genre, je vais remettre le projet ici. J'ai bien aimé le déroulement de l'album. Puis c'était la première fois que j'ai assisté. C'est la première fois que j'ai assisté à un listening party de Obia. Parce que j'étais pas là pour Soufflette. J'étais pas là pour le release de Soufflette. Il me semble qu'il y avait un concert. Il y avait un concert, puis il devait performer en live. Puis mon cousin était là. Mon cousin était là, il est passé, mais. Moi j'ai pas pu passer. Mais surtout pendant l'été, man. Moi je suis un gars qui bourrait que l'été, man. J'ai pas vraiment de temps l'été, man, pour aller à des programmations, man. But anyways, moi j'ai essayé de créer le temps, puis j'ai vraiment été tombé chanceux là. J'ai une amie qui m'a envoyé un message via Instagram. Elle m'a dit, est-ce que t'es down à aller au spot? J'ai fait, ah c'est bon, let's go, man, on fait ça. On s'est rencontrés là-bas, puis yo, insane là. Pour vrai, moi je m'attendais pas à avoir autant de monde que j'allais connaître là-bas. J'ai fini par faire comme 50 handshakes. Mais c'est ça qui est nice avec des événements comme ça. Tu te fais des nouveaux partenaires. Ou tu rencontres des partenaires, ça fait longtemps que t'as pas vu là. Pour de vrai, ce beat là, man, je me demande comment ça se fait qu'il fait pas. Je me demande comment ça se fait qu'il est pas passé à la radio. Faudrait que je lui demande. Ça, c'est un beat qui devrait le propulser pour aller performer sur une scène là. No lie, bro. J'essaie de comprendre comment le monde il comprend pas. Comment ça se fait que ça c'est. Comment ça se fait que ça c'est pas en train d'envahir la radio? Comment ça se fait que ça c'est pas un radio smash? Je ne comprends pas, bro. Plus tard, ce que j'aimerais faire plus tard aussi dans ce qu'est-ce que j'allais dire, man? Il y a eu ça, les petits moments de silence comme ça. Qu'est-ce que j'allais faire plus tard? Ben, c'est concernant le stream. Mais lorsque ça vient à
des albums comme ça, lorsque je fais des recaps, avoir un open line puis laisser le monde avoir leur leur opinion sur des albums. Mais quand l'album va sortir, parce que je vais faire un walkthrough là, je vais faire un walkthrough sur l'album, puis on va call online les gens, puis laisser le monde m'appeler, genre mettons via Instagram ou via Facebook, puis on va pouvoir mettre ça sur YouTube. Ça serait nice, avoir des reactions sur des beats ou des singles ou quoi que ce soit. Ça serait nice faire des reacts. Puis j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas sur, comment ça s'appelle, il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas sur Genius pour avoir des lyrical breakdown. C'est souvent, c'est, il y a beaucoup de d'artistes qui sont seulement capables de seulement relier une barre à une autre, ou avoir un four bars qui sont chauds, mais après ça ils vont drop un autre four bars qui est chaud mais qui a aucune corrélation avec ce qui était là avant. So, c'est lorsqu'on a des gars qui sont capables de bien rouler les shit. Bon, tu vois, ça c'est un beat fire though. Mais live, je pense qu'on a quoi? On a quand même beaucoup d'albums de Montréal qui vont sortir. C'est là on a Nimrod qui s'en vient. On a La Vie Rapide, me semble. La Vie Rapide qui va venir pour Roger. On a Kitchenada qui va drop aussi. Comme l'été, c'est vraiment le moment où est-ce que à Montréal, genre, le monde drop leur musique. Mais je sais pas, mais c'est, je pense que c'est aussi une tendance qu'il y a aussi avec les artistes en général, que ça soit pour les États-Unis comme le Canada. Beaucoup de gens vont drop leurs chansons en été parce que pas beaucoup de projets sont capables d'avoir assez de sustain pour durer une année entière, genre. C'est rare que tu vas voir quelqu'un drop en février puis qu'on entend encore en parler rendu en été, genre, pour ces affaires-là. Donc c'est rare. Donc pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui drop l'été, mais faut que tu stand out quand tu releases ton album. Donc je pense que un artiste qui serait capable de se dissocier de la masse et qui serait prêt à prendre le risque de release son album pendant un off-season, pendant un down-season, puis que tout le monde demande, yo, c'est quoi qui se passe dans la musique, plus personne ne drop rien, puis tu sors un projet en plein hiver, genre, une affaire comme ça, ou en automne, puis tu t'arranges pour que ton album soit capable de sustain, puis tu fais des events ici et là avec des pop-up shops. Mais les listening sessions des beats sont insane still. Ça, j'aime le concept des listening sessions. Donc moi j'aimerais ça, moi, avoir des artistes qui viennent puis qui drop leur musique, genre, pendant une saison qui est plus down, puis que les gars prennent le risque de faire en sorte que leur musique soit capable d'avoir du sustain et durer un peu plus longtemps. Donc il y a que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, puis qu'est-ce que le futur réserve pour Montréal, parce que comme je dis, on a du talent, mais on dirait que personne décide de mettre les yeux là-dessus, man. C'est unfortunate. Ok, Bob Marley. Ah ouais, oui, Bob Marley, je suis dans l'album aussi. Comme une bombe que toi seul peux désamorcer. On me dit que je suis mignon, mais j'ai le cœur tout amoché. Je
Oh, c'est un gros beat, man. Oui. C'est trop dur, je demande la force à mes anges. Je pense au nouveau bout qui check la douceur de ses hanches. Comme un arbre, je reste calme même quand tu coupes mes branches. Je pense à laver mon esprit, il faut que je me baigne dans le gange. On a tous un côté fragile, même le pire des chefs de gang. Hey, je suis pas canard. Eh, hey, bonjour, c'est ce nègre-là. Ah non, mon gars, j'ai kiffé. De toute façon, tout ce qui est original, je kiffe. Après, toi, j'aime ton flow. Quoi qu'il arrive, ça bouge pas. Mais moi, après, moi, je l'aurais jamais vu comme ça. Mais ça sonne super bien. Waouh. Ok, ah, attends, j'ai manqué un épisode là. J'ai manqué un épisode, bro. Le Bob Marley, je suis dans l'album, mais là, je savais pas qu'il faisait des sons comme ça là. Oh, regarde, sérieux là. But yeah, guys. So. Je peux pas encore donner une note sur 10 de l'album. J'ai pas encore assez écouté les beats. J'étais là pour le first listening session. Mais quand l'album va sortir, ne vous inquiétez pas, on va mettre ça en boucle, on va mettre ça dans le stream, on va en parler. On va avoir plusieurs sessions. Most likely, je vais essayer de faire une session de breakdown. Je vais voir si ces lyrics vont être disponibles sur Genius. Si c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je demande, qu'ils mettent ces paroles sur Genius. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Pour qu'on puisse faire des breakdowns. Ça serait nice de faire des reactions aussi en même temps. Ou faire des reactions sur des vidéos. Donc là, je pense qu'on va faire des reaction videos aussi. Et vraiment essayer de rester actif. Puis... être tôt de tôt avec ce qui se passe pour le rap à Montréal. Donc moi, comme je dis déjà, moi je suis pas biaisé dans mes opinions, mais je suis très 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 objectif lorsque ça parle de rap à Montréal, puis qu'on parle de lyrical delivery, ce qu'on parle de wordplay, Obia fait partie des top tier. Lui, il fait partie des gars qui sont capables de prendre des challenges contre n'importe qui pour un battle rap. On parle du gars qui a été capable d'aller tôt le tôt contre le roi. Puis le roi, on dit ça. Je dis le roi parce que le roi a quand même été un pioneer dans la communauté montréalaise. C'est un gars qui a fait. C'est lui qui a set le tone. C'est lui qui est allé, qui a fait partie du premier rap group à Montréal qui est allé à l'international avec Gangster et Gentleman. Donc, rendu là, lui qui a été capable de prendre le challenge après avoir entendu le frère Inoko puis avoir drop son track à lui aussi. Donc, faut lui donner son props. Moi, je lui ai déjà donné au Furco, you know. Donc, je pense même que j'ai fait un vidéo recap. Puis la raison pour laquelle on a ce live ici, guys, c'est parce que je voulais faire mon recap vidéo, mais j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone. Donc, le fait que j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone, ben, je pouvais pas faire le recap vidéo parce que je voulais le faire en 9x16. Et ça tombe aussi que mon logiciel pour faire mon montage de vidéo ne fonctionne pas. Donc, it is what it is. Donc, je pense qu'on va faire un walkthrough sur l'album quand il va sortir. Yes. On doit faire ça. Man. Alright, guys. Donc, sur ce, moi, je vais lever le voile. Puis on va aller voir c'est qui qu'on a sur Twitch en direct. Je vais sur mon stream quelqu'un qui vient du QC. Ouais. Oh. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Lord Poobsman en ligne. L'autre Poubs en ligne, Nima en ligne. Chien. On a un gars qui joue à X-Defiant.
On va aller sur le talk show et podcast, man. Et j'allais ch... Ben, on a les deux frères qui sont en train de se parler, là. Philippe pis Vincent, man. Ouais, all good, man. Les gars qui sont très, 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 très nice, guys. Donc, on va aller leur donner... on va leur donner un raid, guys. Raid, on va essayer Lord Poops. Alright, guys. Donc, on a créé le raid. On s'en va donner un raid à Philippe et Vincent qui sont ensemble en train de faire un podcast. Donc, let's get it, guys. Ils sont en train de faire leur petit talk show. On va leur donner un peu de support et on se reverra sur les internets, guys. Peace out. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Merci d'avoir été passé. Merci à toi, Yugi, d'être là. Et on se reverra très, 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 très prochainement. Alright, guys. Peace out.